Les lois sont abondantes dans notre pays, mais elles ne sont pas appliquées. Alors, les gens vivent dans la situation de jungle. Les plus forts écrasent les faibles, et dans la majorité des faibles, ce sont les femmes. Na vitanifurahisha sana tu nikisikia aseme bashaka bakamata bana bafunga na vitanifurahisha. Abaya kakamatiwa bakingali naendelea na kufaa vya vile kubatu. Mbona bisizira mimi mwanzo. Noa. Hapa ni il y a des cas qui ont eu des succès et ces victimes se sont senties rétablies, au moins psychologiquement. Et puis dans la communauté, ils ont senti qu'il y avait quand même une valorisation de leur personne. Et du côté des coupables qui ont été condamnés, moi j'ai reçu plusieurs fois des menaces sur téléphone, anonymes. Toi tu es en train de faire ceci, tu verras. D'ailleurs, on te menace, on va amener tes enfants, on va tuer ton mari. Nous poursuivons dans la lutte, mais les menaces sont là. On me menace parce que je touche ce que les gens ne voudraient pas que je puisse toucher. Je pense quelquefois baisser les bras, mais je continue. Mais jusque là, moi personnellement, je n'ai pas encore eu la faiblesse d'abandonner.